Bonjour tout le monde, je suis Suzanne. Alors, je voulais partager avec vous un peu mon expérience d'amie du domaine. Je suis une amie des premiers jours. Au début, je crois que je voulais surtout donner un coup de main à des gens que j'aime puis que je respecte. Guy Vincent à l'époque, Suzanne Vaillancourt, mon mari François. Et aussi donner un grand coup de main au domaine Saint-Bernard, un endroit que j'adore. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai participé à organiser les Amis du domaine. J'ai fait des pique-niques l'été où j'ai maquillé des enfants. J'ai fait des cerfs-volants. J'ai fait des corvées de sentier. J'ai participé au camp du docteur Julien, le symposium des arts. J'ai été aussi des assemblées annuelles qu'on faisait. Pas des assemblées, mais des rencontres annuelles informelles qu'on faisait avec les amis. Et maintenant, je fais un nouveau bénévolat. Je suis au conseil d'administration de la Fondation des Amis du domaine Saint-Bernard, qui permet d'accumuler des sommes pour des programmes éducationnels, ce qui est fort intéressant. Alors, ça fait plus de 10 ans. Quand je voyage, je vais dans des parcs qui sont semblables au domaine. Bien, il n'y en a pas de semblables, là, mais qui peuvent faire penser au domaine Saint-Bernard. Et partout, il y a des bénévoles. Quand on a une fiducie sociale, ben c'est notre monde qui doit nous aider. Alors, on fait tous partie du domaine Saint-Bernard. Fait que je vous invite à y participer. Le bénévolat, c'est d'abord un engagement de cœur. C'est un engagement de temps, mais surtout un engagement de cœur. Alors, moi, je vous invite à trouver quelque chose qui vous sent, qui vous permet d'être utile, que vous aimez, dans lequel vous êtes bon ou intéressé, et participer comme vous le pouvez, avec votre cœur. Merci et bonne soirée.